aujourd'hui, notre événement est organisé avec la nouvelle épicerie fine El Ali, secret du chef, hein, qui nous font l'honneur de nous accueillir dans leur nouveau local. C'est un concept nouveau qui associe les produits de terroir à la cuisine tunisienne, puisque à l'origine, El Ali, comme vous savez, c'est un restaurant Flemdine, hein, où on prépare de la très bonne cuisine tunisienne. Et donc, ce petit concept qu'on a développé ensemble va nous permettre, encore une fois, de mettre en avant nos producteurs de produits de terroir qui sont issus des quatre filières sur lesquelles travaille le projet Pampate. Alors, le projet Pampate, c'est le projet d'appui pour l'accès au marché des produits agroalimentaires et de terroir. C'est un projet qui a démarré en Tunisie en 2013 et qui se poursuit dans une deuxième phase. On a commencé à travailler sur la harissa, la figue de Djebba, avec une appellation d'origine contrôlée, et la filière figue de Barbarie. Dans la deuxième phase, nous avons rajouté les tomates séchées, les grenades et les dérivés de date. Donc vous avez des représentants, des producteurs de toutes ces filières. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de nouveaux projets qui se développent dans ces filières. C'est des filières porteuses qui permettent chacune, par rapport à leur spécialité, de développer de nouvelles gammes de produits, d'innover et surtout de perpétrer un savoir-faire ancestral et surtout de créer cet ancrage avec les régions dans lesquelles elles sont produites. Et nous voyons beaucoup de jeunes se lancer et surtout s'installer dans leur région pour valoriser ce savoir-faire et ce potentiel dans les régions. Par rapport aux dérivés de dattes, les tomates séchées, les grenades, vous les voyez aujourd'hui se décliner sous plusieurs formes. Nous voyons des innovations, des associations de produits. Donc, on est parti d'un savoir-faire ancestral, mais aujourd'hui, on a abouti à des produits qui sont conformes aux besoins des marchés internationaux, qui répondent aux exigences des marchés. Nous travaillons sur tous les aspects réglementaires, normatifs. Nous cherchons à accompagner les entreprises pour avoir des signes de qualité distinctifs, des certifications biologiques qui sont exigées par les marchés. Donc, c'est vraiment un partenariat qui est en train d'évoluer et de permettre de positionner de nouveaux produits sur les marchés. Les produits de terroir tunisiens sont reconnus par leur richesse essentiellement en nutriments. Nutriments, durant cette période de pandémie Covid, on a vraiment beaucoup besoin d'un aliment très riche en minéraux, en vitamines. Et nos produits de terroir, c'est des produits déshydratés, vu que donc, nos ancêtres donc, essayent de conserver ces aliments-là. Et à ce qui nous préoccupe essentiellement à l'Institut de Nutrition, que ces produits sont fabriqués d'une façon artisanale. Donc, il y a des soucis de contamination, notamment des contaminations bactériologiques et chimiques, maintenant avec les engrais de pesticides, etc. Nous avons, ces dernières années, effectué pas mal de projets sur l'évaluation de la qualité nutritionnelle de nos produits de terroir commercialisés en Tunisie. Et sincèrement, nous avons trouvé une bonne qualité hygiénique, disons, sanitaire. Donc la contamination vraiment bactérienne, elle est minime, avec une qualité acceptable. Bon, espérons qu'on arrive à des qualités satisfaisantes avec l'accompagnement, la certification, les ISO 22000, etc. C'est un bon projet parce qu'il peut accompagner nos artisans à fabriquer d'une façon hygiénique et s'aligner aux exigences internationales qui demandent des certifications en normes de qualité. Sur le plan nutritionnel, donc, les produits de terroir donc, font partie d'un régime méditerranéen qui est très connu pour son effet bénéfique sur la santé, notamment il est très riche en légumes, en fruits, en acides gras monoinsaturés avec l'huile d'olive, etc.